Je suis vraiment, vraiment, mec, je fais n'importe quoi. Je reviens sur cette chaîne comme si de rien n'était, frère. Je suis chiant. Bonsoir à tous, ici Mino. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, non, Mino, faut quand même pas que je la délaisse. Mais en vrai, dans cette vidéo, vous allez comprendre que je pense que j'étais quand même voué à être chômeur ou youtubeur, tu vois. Ce qu'il faut savoir avant de commencer la vidéo, qui, je pense, vous l'avez compris, est sur mes bulletins, il faut savoir que j'ai un rapport à l'école qui est vraiment, vraiment très spécial et très médiocre. Comme la plupart d'entre vous, je pense, je déteste le système scolaire. Je n'arrive pas à concevoir d'apprendre des choses et que ça me reste dans le crâne alors que ça m'intéresse pas du tout. Et malheureusement, le tronc commun, le scolaire, le général, eh ben c'est tout le temps ça en fait. Sauf que je m'en carre le cul. Genre, laissez-moi tranquille. On va lire mes bulletins de seconde et mes bulletins de première. Pourquoi pas de terminale? Parce que, ouais. Alors, changeons de sujet. Je vais parler doucement parce qu'il y a quand même ma mère à côté, elle peut entendre. En fait, je récupérais les courriers de bulletins de terminale et comme mes bulletins étaient extrêmement nuls, eh ben je les cachais. Et quand ma mère, elle disait, mais j'ai pas reçu ton bulletin. Ah, je sais pas, peut-être le facteur, il s'est trompé. Pas du tout, ils étaient cachés dans ma chambre. Et je pense qu'ils sont toujours cachés, je sais pas où ils sont. Bref, vous allez le comprendre que vraiment, c'était pas glorieux. On va commencer avec les bulletins de seconde, premier trimestre. Moyenne générale du premier trimestre, 12,84. En soi, c'est pas glorieux, mais c'est pas nul non plus. En anglais, évidemment, les gars. Mais il y a mot English. Meliamo, mais s'appelait My Name is Mino, évidemment. Travail de qualité à l'oral comme à l'écrit. Compliment, bien sûr. Ça, c'est la Casa des Papel. Mais pas du tout, c'est espagnol. Ah. Mathématiques. Une certaine nonchalance en cours. Mais Emeric, même s'il n'exploite certainement pas toutes ses capacités, ne semble pas rencontrer de difficultés particulières. Oui. Oui, en maths, je récup... Ouais, en maths, oui, bien sûr. En fait, moi, ce qui me tue avec les profs, c'est que j'ai l'impression qu'ils te connaissent plus que toi, genre. Moi, je te le dis, Sorette, je donnais mon maximum en maths. Hein. Si j'ai 12, c'est que mon max, c'était 12. Je te le dis. Je tentais de comprendre. Je tentais d'essayer des trucs. Non, j'arrivais pas. Donc, à un moment donné, essaye pas de me dire, vous avez les capacités. Ferme-la, je les ai pas. Je les ai pas, les capacités. Ok, donc visiblement, ce qui en ressort d'un premier trimestre, c'est pas très intéressant parce que le premier trimestre a l'air d'être relativement cool. Je venais d'arriver au lycée, premier trimestre de seconde, je me suis dit, ah, allez, faut quand même être rigoureux, tu vois. Je commençais quand même à me dire, bon, l'école c'est quand même important, tu vois. Même si j'avais toujours ce truc de ça m'intéresse pas, mais je me disais, ah, quand même de l'investissement, c'est important, tu vois. C'est la dégringolade après, c'est la dégringolada. Aïe. Je sais pas si c'est pareil pour vous sur vos bulletins, mais moi j'ai une flèche qui veut dire l'évolution de mes moyennes. Tout en baisse pour le second trimestre. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris en sport. Comment t'es censé pouvoir faire mieux en sport? Je me souviens quand même, en sport, j'étais pas nul. Genre, j'avais pas une maladie, j'avais pas des points de côté souvent, j'étais pas non investi. Enfin, le sport, c'est quand même une matière cool en général, tu vois. Comment t'es censé faire plus de travail plus réduit? Mais quoi? Tu me racontes quoi, toi, là? Comment ça, en anglais, j'avais 13? Comment ça? Des résultats qui restent honorables, mais en baisse. Quoi? Emeric semble moins impliqué en classe comme dans ses apprentissages. Mais j'ai envie de bouillir. Il y a beaucoup de trucs au lycée, collège, etc. où t'as des genres, des gros devoirs. Et ces devoirs-là, genre, ils comptent coefficient 4. Tu sais pas pourquoi, genre, la prof, elle s'est levée du mauvais pied, elle a dit coefficient 4, frérot. Et t'étais pas dans ton bon jour, tu l'as raté. Et t'as deux coefficient 4. Et du coup, ta moyenne, elle a 4,76. On en a marre aussi de ces devoirs-là. Ça reflète pas mon niveau en anglais, les gars. Ok? Ah, voilà, nous retrouvons les mathématiques, un manque de combativité qui nuit parfois aux apprentissages. C'est dommage, car Emeric comprend relativement bien le cours et pourrait donc avoir de bien meilleurs résultats. Ouais, bon. Est-ce que je comprenais bien le cours? Je suis pas sûr. Hein. Manque de combativité. Eh, hey, on est sur un ring de boxe ou c'est quoi? Non, en baisse ce trimestre, mais les résultats restent satisfaisants. Il faut s'investir davantage en classe. Emeric est un élève capable d'obtenir de meilleurs résultats s'il s'en donne les moyens. Non. Du coup, on va pouvoir passer au troisième trimestre et je crois que c'est la catastrophe d'après ce qu'il me semble. Hein. Oh non! L'évolution en maths, en français, en EPS, en physique chimie, en SVT! Let's go! Par contre, histoire anglais-espagnol. Regardez, en anglais, c'est tellement foutu de ma gueule, elle a fait une année constructive. J'en étais vraiment en mode, je sais pas, premier trimestre, il avait l'air d'être un bon élève. Deuxième trimestre, j'ai pas lu. Troisième trimestre, ça dégringole.
Oh là là, le français. Le français. 6,50. Oh là là, c'est la dégringolada. En maths, attention, c'était remonter une certaine vivacité d'esprit qui n'est pas toujours soutenue par un travail régulier. Eh, c'est quand même assez rabaissant, ça. Hein. Ça veut dire que je suis vif, mais je suis con en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis vif, mais pas assez pour me dire qu'il faut que je travaille pour avoir un résultat régulier. Eh, j'avais pas envie d'apprendre tes maths, là. C'est bon ou pas, là? T'es 2x x 7, je sais même pas si on apprend ça en seconde, mais ça me cassait les couilles. Comment ça, tu dois travailler avec de l'abstrait en mathématiques? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si vous vous rappelez du français en seconde, on devait faire un TPE. Un dossier TPE peu rigoureux. Absence de problématique et d'analyse. Rendu sans carnet de bord et un oral peu convaincant. J'avais pas envie. C'est sûr, j'avais pas envie. Les TPE, tout le monde a 18. Moi, je pense que j'avais 3. Je pense que j'avais 3, c'est obligé. Là, on va passer à la première. Et là, vous allez comprendre que toute ma scolarité, c'était quand j'ai envie, je peux. Quand j'ai pas envie, je peux pas. Mais même quand j'ai envie dans des matières dures, je peux pas non plus, tu vois. C'était aussi l'année où j'avais pris comme option cinéma audiovisuel. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des montages assez qualitatifs. Premier trimestre, je sais pas pourquoi j'avais deux notes de cinéma, mais visiblement, cinéma, ce qui ressort, c'est que je suis investi, tu vois, quand ça m'intéresse, le cinéma, l'audiovisuel, quand ça m'intéresse, je suis à fond, tu vois, j'ai envie d'apprendre, l'apprentissage reste, donc ça donne des moyennes comme 14, comme 13, des moyennes pas mal, tu vois, et d'ailleurs, moyenne générale de 12, j'aime bien, c'est pas mal. En sport, voilà, excellent travail, en plus, c'était avec un prof vraiment excellent, tu vois, le prof de sport par excellence, incroyable, et tu vois, 18 de moyenne, bah oui, les gars, je suis physique, moi, hey, fais gaffe. Ça peut partir à n'importe quel moment. Fais gaffe! Français, 10! Une bonne participation en classe, mais des résultats irréguliers. Tu gagneras à approfondir ton travail. Mais si j'approfondis pas, c'est que j'ai pas envie! Oui, c'est pas pour autant que je fais des fautes, tu vois. Mais ça m'intéresse pas, le français. Genre, ça m'intéressait pas. D'apprendre la langue de Molière, là, le livre Boule de Suisse, je sais pas quoi, là. Je m'en fous! Oh, aïe, 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 l'histoire. Des efforts de participation en classe, mais l'écrit est trop superficiel. Travaillez les méthodes et apprenez plus régulièrement le cours. Alors, l'histoire, c'était vraiment le truc qui me saoulait parce que c'était vraiment, il faut apprendre bête et méchant et tu ressors, tu rebaves le cours, en fait. Et ça, vraiment, c'est un principe qui a jamais voulu fonctionner dans ma tête. Apprendre pour recracher, et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de matières. Et ça, ça m'énervait sa mère. Vous avez vu, je vous ai dit, my name is Emeric, Meliamo Emerico, anglais, 16 de moyenne, frérot, bien sûr. Très bon trimestre, davantage de participation en classe. Mais il y a toujours un truc à dire, putain, il me casse les couilles. Quand c'est bien, dites c'est bien, arrêtez de tout le temps être « ouais mais améliorable, bien mais améliorable, vous êtes chiant !» Je sais qu'ils sont bienveillants, je sais que c'est dans un but d'amélioration et tout, mais à un moment donné, des fois, quand t'es jeune, t'as juste envie qu'on te dise « c'est bien », tu vois, et qu'on n'ait pas de truc négatif à te dire après. C'est bien !» Espagnol. Oi, 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 6,63. En fait, faut que je m'explique. Espagnol, les gars, j'avais jamais fait, j'avais eu zéro base. En fait, au collège, moi, j'avais fait portugais, et donc du coup, tous ceux qui avaient pris espagnol au lycée avaient déjà les bases du collège, tu vois, vu que espagnol au collège, c'était un peu répandu. Sauf que moi, je n'avais aucune base, et ils avaient pas le temps de revoir les bases au lycée. Donc du coup, bah, espagnol, j'ai toujours été une merde. Eh, mais par contre, on va parler deux minutes, là. T'as de la chance, professeuse, parce que c'était une prof que j'avais. T'as de la chance, professeuse, que j'ai flouté ou enlevé ton nom, là. Parce que c'était le genre de prof qui draguait tous les élèves. T'as de la chance, toi. T'as de la chance, toi. Que je t'affiche pas, là. Parce que pour mettre des 6, y a du monde. Pour draguer des élèves et peut-être pour coucher avec eux dans les couloirs, dans les toilettes, il y avait du monde aussi. En maths, j'avais 7. Des résultats qu'il faut améliorer. Ne vous découragez pas et amplifiez les bons efforts. Vous vous êtes montré capable. Je sais pas où tu les as vus, hein, mais si j'ai 7, c'est que les efforts étaient pas suffisants. Tu vois, il y a des trucs où je comprends pas, tu vois. Des fois, les profs, ils disent, on a vu vos efforts. On a vu que vous arriviez quand vous mettiez les efforts. Mais pourquoi vous vous dites que quand on a moins, c'est qu'on n'a pas fait les efforts? C'est peut-être juste aussi qu'on a fait les efforts, mais ça suffit pas, à un moment donné. Je sais pas, est-ce qu'il y a des profs là dans mes abonnés qui peuvent dire, je sais pas. Il y a toujours ce truc qui sort, tu travailles pas assez. Et ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue de toute ma vie, je pense. Tu travailles pas assez, t'as la capacité pour, mais tu le fais pas assez. C'est bon, ça m'intéresse pas, c'est tout. Regardez les vidéos là, je les fais, je vous fais des montages, j'ai envie, tu vois. T'es court? Non. Bon, passons au deuxième trimestre, parce que le troisième trimestre, je pense que c'était catastrophique, et du coup, j'ai dû le cacher. Voilà, deuxième trimestre, les gars. Toujours audiovisuel, des notes incroyables. 16, incroyable. Très bon trimestre, très motivé, bien sûr. Sport, 15, bien sûr. Français, 9. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi tranquille avec le français. Je sais que vous êtes dans l'école. Laissez-moi tranquille. Quoi? Comment ça, en anglais, j'avais 9? Trimestre moyen qui s'explique par un manque d'investissement ce trimestre. Non, je pense que j'avais mes périodes. Les gars, l'anglais, ça a toujours été une matière que je kiffe, mais je pense que des fois j'avais mes périodes. J'avais mes périodes de vas-y, ça me casse les couilles les cours, et donc du coup j'avais pas envie de travailler, tu vois. Et le deuxième trimestre, ça devait être la période où j'étais en mode casse les couilles, tu vois. Mais en anglais, je suis chaud, hein.
Je vous promets, je suis chaud. Espagnol beau. Eh, c'est bon. J'étais à deux doigts de dire ton nom. J'étais à deux doigts de le leak. Fais gaffe, toi. Tu vas dire quoi? Des résultats médiocres par manque de confiance et de motivation. Par manque de confiance. Toi, t'avais confiance quand t'étais en train de pécho tous les élèves, toi. T'avais conscience et t'avais confiance, toi. Fais pas trop la maline. Je suis à deux doigts de leak ton nom, là. Oh, en maths, j'ai progressé. What the fuck? Assez bon trimestre, de bons progrès que je vous encourage à développer plus avant. Quoi? Comment ça? À développer plus avant, c'est dans quel sens? Pour quelles circonstances? Dans quel pouvoir? Bon, en vrai, mes moyennes, elles étaient 10, 12. Moyenne de ni un cancre, ni un bon élève, tu vois. Un élève neutre, j'ai envie de vous dire. Ça a toujours été ma scolarité, frérot. Ça a toujours été ma scolarité. Et malheureusement, je me suis... Comment ça, malheureusement? Heureusement, je me suis découvert une passion pour YouTube, Twitch, etc. Et j'adore faire ça. Je kiffe faire ça vraiment que plus tout ce qu'on m'a mis dans ma vie actuellement. Et j'espère que vous le ressentez à travers mes vidéos, vous le ressentez à travers ce que je fais. J'ai décidé de sortir cette vidéo sur Mino en espérant que ça vous donne envie d'en voir plus. Je sais pas. C'est quand même de vous faire un truc qualitatif pour cette vidéo là. C'était cool en tout cas de pouvoir partager ça et partager aussi le fait que voilà, j'ai jamais été vraiment fait pour les cours, mais que je me suis découvert une passion qui est certainement mon futur métier et que ça me fait trop plaisir. Je vais vous quitter ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci encore de me suivre partout. Vous avez tous mes réseaux dans la description, également ma chaîne secondaire sur laquelle je fais des vidéos animées si vous aimez ça. C'était Mino. Merci encore à Mastu pour toute la force et merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et ciao! Waouh, c'était quoi cette voix, frère?